Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Immobi France. Aujourd'hui, nous allons parler des façons de résoudre la situation iPhone indisponible lorsque vous entrez trop de fois le mot de passe de votre iPhone. Comme celui-ci, vous voyez? Bon, allons-y. Abonnez-vous à notre chaîne Immobi France pour obtenir les dernières solutions. Solution 1. Déverrouillez un iPhone indisponible sans ordinateur. Sur l'écran de votre iPhone, continuez à saisir le mot de passe plusieurs fois jusqu'à ce que l'option Effacer iPhone s'affiche. Vous verrez se déconnecter de l'identifiant Apple. Veuillez saisir le mot de passe de votre identifiant Apple pour effacer l'iPhone et le supprimer de votre compte. Si vous avez oublié votre mot de passe de l'identifiant Apple, veuillez consulter la méthode suivante. Solution 2. Déverrouiller un iPhone indisponible sans code. Si vous avez également oublié le mot de passe de l'identifiant Apple pour cet iPhone, on vous conseille la meilleure solution 3, AnyUnlock, pour déverrouiller votre iPhone indisponible sans aucun code. Tout d'abord, accédez au site web Immobi, glissez la souris vers la barre déverrouillage et réparation, puis cochez la deuxième option AnyUnlock. Veuillez le télécharger et l'installer. Avec AnyUnlock, vous pouvez débloquer votre iPhone indisponible sans Apple ID, sans code d'accès. Lancez AnyUnlock et connectez votre iPhone à l'ordinateur via un câble USB. Cliquez sur Déverrouiller l'écran sans code. Puis commencez la procédure de déverrouillage. Une fois votre iPhone détecté par AnyUnlock, veuillez cliquer sur le bouton Télécharger pour obtenir le logiciel iOS adapté à votre iPhone. Après avoir téléchargé le firmware, cliquez sur Déverrouiller maintenant pour débloquer votre iPhone. Attendez le processus de vérification de décompression du fichier de firmware. Ensuite, l'appareil sera déverrouillé. Configurez l'iPhone comme un nouvel appareil. Maintenant, vous pouvez utiliser cet iPhone sans code oublié. Solution 3. Débloquer un iPhone indisponible avec autre appareil Apple. Apple offre à ses utilisateurs la fonctionnalité « Localiser mon iPhone ». Cette dernière permet de localiser géographiquement votre iPhone, ainsi que vous pouvez effectuer certaines tâches à distance. Parmi ces fonctionnalités est la possibilité d'effacer tout le contenu de votre iPhone. Voici comment faire. Assurez-vous que si vous avez un autre appareil Apple en plus de l'iPhone indisponible et qu'ils sont tous deux connectés avec le même identifiant Apple. Si localiser mon iPhone est activé sur votre iPhone, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour déverrouiller l'iPhone sans mot de passe. Prenez l'appareil en connectant le même identifiant Apple. Vous pouvez voir votre iPhone dans la liste des appareils, sélectionnez-le. Cliquez sur Effacer cet appareil en glissant en bas. Entrez le mot de passe de votre identifiant Apple. Et puis saisissez le numéro de téléphone de l'identifiant Apple. Cliquez sur Supprimer cet appareil. L'iPhone sera effacé dans ce compte Apple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions pendant l'utilisation de votre appareil iOS ou Android, veuillez consulter notre site officiel et vous abonner sur la chaîne Immobi France.